Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Peut-on concilier épreuves sportives et préservation de la biodiversité ? À Marseille, le bassin nautique du Roucablanc accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024. Très envasé, sa vie sous-marine était très pauvre. Sous la direction de Hervé Manchon, adjoint à la biodiversité et au littoral, des travaux sont en cours afin de redonner vie au bassin tout en le mettant au standard olympique. 24 000 m3 de vases et de sable ont été dragués. Un bassin de rétention des eaux de pluie sera réalisé par la métropole Aix-Marseille-Provence pour limiter la pollution de l'eau. Dans chaque digue, une buse sera creusée afin qu'un courant d'eau de mer permanent circule dans le bassin. Dans l'eau, à l'entrée du bassin, seront immergées des nurseries artificielles pour les jeunes poissons du littoral méditerranéen. Dans des sortes de cages, ils auront le temps de croître à l'abri des prédateurs. C'était à la source, avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources.